donc sur le groupe de contre-attaque constitué de 10 dames et 3 minutes 28 secondes sur le groupe suivant. Des écarts qui sont tout à fait impressionnants sur ce parcours qui ne présente guère de difficultés. Voilà, avec 2 minutes et 42 secondes. Voilà, donc très exactement 3,55, 3 minutes et 55 secondes pour les... Au niveau du groupe de contre-attaque, voilà donc les demoiselles qui se présentent devant nous maintenant, Sophie de Vext et Talita de Jong. Voilà donc, dernier écart tout à l'heure, 2 minutes et 40 du premier lot. Avec un... Ultima, ultima giro, ultima vuelta, voilà. L'une d'entre elles sera-t-elle parvenue à prendre le meilleur sur la concurrence? Voilà, c'est parti de très loin, avec, me semble-t-il, un léger avantage pour eux. Voilà, Tony Romeo, Talita, première position. Là, c'est parti de loin au niveau du sprint qui va donc s'opérer dans cette dernière ligne. C'est donc avec le dossard numéro 43, Viola Dutrion, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, Poitou Charente, redoutable finisseuse. On vous l'avait donné tout à l'heure, sprint pour départager la 13e place. 13e place qui va pour Jesse Briggs, dossard numéro 41. Voilà donc aujourd'hui victoire. On va demander à notre française de bien vouloir nous rejoindre, c'est une fidèle des terres d'Ottilienne, Fiona Dutrion, qui est membre de la pédale madrénoise et qui est ici pour Poitou-Charentes, le futur spot. C'est donc la troisième, voilà, sur le podium, portée numéro 43, elle avait dit Sophie de Weist. Sophie de Weist qui est actuellement en leader de la Lotto Cycling Cup. Voici Talita de Jong pour la Rabobank Live Woman. Voilà donc le tiercé gagnant aujourd'hui. Je vous demande bien évidemment de les applaudir. Elles vont être récompensées par monsieur Christophe Zerbit. Voilà donc pour la première, donc pour Talita de Jong. 3, 4, vive. Voilà qui récompense donc Sophie de Weist, deuxième aujourd'hui. Bravo. C'est madame Van Straten. Madame Van Straten qui va récompenser Fiona Dutrion. Donc reste de Moucron. Pour reste de Moucron, mais tout ça. Madame Brigitte Aubert, pardon. Et je vis de la jeunesse. Association des commerçants, c'est pour de ma part, pour Talita de Mangue. Voilà. Ensuite. Voilà. Non. Voilà, donc une petite pensée bien évidemment émue. Je vous applaudis d'ailleurs également par respect, mais également pour la victoire de nos trois demoiselles.